Mise à jour sur le projet Basket, je t'avais fait une vidéo il y a 3 mois sur le projet. Ils viennent de mettre en place un système de stacking avec des récompenses en fonction du temps que tu vas lock le token. C'est quand même assez intéressant, on va aussi parler du risque parce que le projet est minuscule. Donc Basket, c'est un projet de base qui avait été distribué en airdrop sur l'écosystème Solana. Le but, c'est de créer un petit peu un panier de tokens. Le token en lui-même est disponible sur différentes blockchains comme tu peux le voir. Tu peux aller voir bien évidemment leur white paper, il est disponible sur le site. Ils ont des pools de liquidité principalement sur Solana avec BankSwap, Meteora, Orca, Radium, Jupiter qui sont les plus gros protocoles Solana. PancakeSwap sur BNB, TraderJoe sur AVAX et Uniswap sur Ethereum, donc ils sont présents un peu partout. C'est ça le but de leur token en fait, d'être un token multi-chain. Et ils ont aussi des beaux partenaires, donc je pense que ça peut donner quelque chose. La team a l'air de délivrer et de faire des choses. Donc voilà, voici leur Twitter. Ils parlent ici de leur système de stacking, c'est ce que je vais te présenter dans la vidéo. C'est exactement le même principe que Bonk Reward si tu connais. D'ailleurs, si tu ne connais pas et que tu as des bonks, bah, je t'invite à aller les lock pendant 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Ça te permettra d'avoir quelques récompenses sur tes bonks avec les multiplicateurs en question. Le site, c'est bonkrewards.com. Le token Basket en lui-même ne va pas très bien. Quand je te l'avais présenté dans cette vidéo-ci, c'était au moment du airdrop. Le token était, tu vois ici, à 4,0 $0.30. Il a beaucoup baissé ici. On est à 5,09. Donc en gros, il a fait un divisé par 3 depuis la vidéo. On était vert ici. Donc il y a deux façons d'aborder la chose. Soit il y a encore une meilleure opportunité qu'avant pour acheter le token, parce que si ça remonte, ça va remonter encore plus fort puisque le token a bien baissé. C'était déjà le cas avant en termes d'opportunité. Ou soit bah, le token a tellement baissé qu'il va jamais se relever. C'est tout à fait possible aussi. Et j'insiste là-dessus. Si tu veux jouer le coup, je fais pas de conseil d'investissement, mais je te conseille vraiment de mettre un petit peu d'argent. Il n'y a que 8 millions de market cap. C'est vraiment minuscule. Mais c'est aussi avec les plus petits projets et le plus gros risque que l'on peut obtenir le plus gros gain derrière. Tu sais comment ça fonctionne. Il y a quand même 30 000 holders de token encore. Donc ce n'est pas rien. Pour pouvoir profiter de leur stacking, tu te rends sur stacking.bskt.fi, je te mettrai le lien en dessous. Tu peux venir directement acheter du BSKT sur Jupiter. Donc par exemple, tu mets un petit peu de sol, je vais faire l'exemple avec 20$, tu achètes ton basket sur Jupiter. Ne te trompe pas de token, c'est bien celui-là qui commence par 6GN. Il y a le truc community pour certifier que c'est le bon. Une fois que la transaction est passée, tu te rends sur le site de Stacking. Après que tu les aies achetés, tu vas voir, ça met une ou deux minutes à s'activer. Tu peux rafraîchir la page pour accélérer. Ensuite, bah, tu peux cliquer sur Half ou Max pour le nombre de tokens que tu veux loquer. Tu peux choisir une durée, donc en fonction de la durée que tu choisis, c'est marqué ici, tu auras un multiplicateur plus important. Le multiplicateur joue sur la récompense en fait de stacking que tu auras. Tu vois ici, j'ai déjà stacké 2 fois des jetons à 6 mois. Donc on a un peu plus que 2,5 au moment de cette vidéo. Et on gagne à peu près un 2,5 pour 6 mois et un 1,2 pour 3 mois. Et 1x5 si tu veux locker pour 1 an. Donc là pour l'exemple, je vais locker au maximum. Même si 1 an c'est ultra long, on est bien d'accord, mais c'est pour pouvoir obtenir le rendement max. Ensuite, tu cliques sur stake, un petit peu de frais, comme d'habitude, pour ouvrir un compte token. Je peux voir qu'il y a 436 personnes qui ont déjà stacké, 11 milliards de baskets qui ont été stackés. On peut aller voir combien est-ce que ça correspond. Ça devrait pas être énorme non plus, je te rappelle que c'est un petit projet. 44 000 USDC à peu près qui ont été stackés. C'est un poil plus parce que là, il me fait un gros price impact parce qu'en fait, il y a peu de liquidité. Donc si je veux acheter autant ou vendre autant de tokens, eh ben, il n'y a pas assez de liquidité à l'heure actuelle. Donc c'est très certainement plus que ça. Si je mets 5 milliards, on est sur 28 000. Donc tu vois, on serait plus sur à peu près 60 000 de valeur. Peut-être même encore plus que ça en vrai. Mais quoi qu'il en soit, voilà, stacking successful. À partir de là, tu regardes, ça sera marqué en bas. Tu vois, moi j'ai mon bonus de 5 ici avec mes 2,5 millions que je viens d'ajouter. Et toutes les semaines, par exemple, tu pourras venir cliquer sur claim ici et tu gagneras un petit peu de basket comme ça. Donc voilà, c'est toujours cool et intéressant ce système de reward. Encore une fois, j'insiste, petit projet, donc fais très attention, ça peut clairement aller à zéro. Mais je pense que ça peut valoir de mettre une petite pièce aussi pour jouer le coup. Je te dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Guirac. Bye bye.